Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On est en milieu de semaine, on va se faire plaisir, j'espère que vous allez kiffer. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai eu à Noël. J'avais fait une liste, on va voir si le Père Noël m'a écouté, si le Père Noël m'a fait plaisir, si j'ai été sage au final, hein. Parce que voilà, s'il m'a fait plaisir, c'est que j'ai été un petit peu sage. On va voir ça ensemble, voir un petit peu ce que j'ai pu avoir. Et puis bah j'espère que vous allez bien sûr liker, commenter au maximum, vous abonner si c'est pas déjà fait. Donc le premier cadeau que j'ai reçu et que je vous montre, c'est ce set de cup suprême, donc de la collection Spring Summer 2018, donc printemps-été 2018. C'est une pièce que j'avais vraiment envie d'avoir et je suis très content, je vais pouvoir mettre ça dans mon prochain appartement. Bientôt proprio, voilà, voilà, on grandit, bientôt les 30 ans aussi. Mais en tout cas, j'ai hâte de pouvoir mettre ça dans mon appartement. D'ailleurs, je suis en train de tout... Oh là là, c'est un Tetris ce bazar. Bon, voilà pour mon premier... petit gift que j'ai eu à Noël, d'ailleurs pas petit du tout, hein. C'est très stylé, merci encore au Papa Noël. Et hop là, j'ai réussi un peu à y remettre comme il faut. Mais très cool, je suis très content d'avoir ça. Je vais essayer de pas y casser tout de suite avant d'être dans mon appart. Mais très heureux, et j'espère que je pourrai très rapidement trouver la théière que je vous mets à côté de moi ici. Et voilà, j'ai vraiment envie d'avoir aussi cette pièce. Ça fait partie des petites pièces que j'ai envie d'avoir, des collections suprêmes, des petits accessoires que j'apprécie plus que les collections d'habits. Donc voilà, voilà pour le premier gift que j'ai eu à Noël. On passe au deuxième. On continue avec le deuxième cadeau que j'ai reçu. Et pour le coup, c'est une paire que je voulais énormément, que j'avais hâte d'avoir. J'avais jamais eu encore cette technologie. Je vous montre direct, je suis impatient de vous montrer ça, mais certains vous l'avez vu sur Instagram déjà, ce que j'avais posté, quelque chose en lien avec ça. Mais je suis franchement, en plus, je vais en parler après, bref. Bon, allez, je vous la montre. Donc voici mon deuxième cadeau, c'est cette Adidas Consortium Runner 4D. Comme je le disais, je suis trop refait d'avoir enfin cette technologie au sein de ma collection. J'avais toujours pas mis au pied une 4D et franchement, le confort est incroyable. Mais déjà, je vous laisse regarder un peu la paire et franchement, quelle beauté! Mais quelle beauté! J'enlève mes gros doigts, quelle beauté! Franchement, regardez-moi ça. C'est une paire mid, pas si haute. J'aurais moins aimé justement qu'elle soit encore plus haute. Là, elle est juste bien haute comme il faut et franchement, magnifique. Magnifique. Franchement, regardez, je vous laisse voir un petit peu. Bien sûr, semelle continentale. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Bah alors, semelle continentale, juste ouf au niveau du maintien et du confort. Le shape, je trouve vraiment stylé. C'est une paire qui est sortie le 29 juin 2019 au prix, accrochez-vous bien, de 500 €. La technologie, le fait que ça soit pas encore trop répandu, ce système 4D, donc impression, ce système d'impression en plusieurs dimensions. Je comprends que ça puisse coûter cher, mais 500 balles, c'est vraiment ouf. Vraiment, vraiment. On a du prix de knit, bien sûr, pour toute la partie supérieure. Vraiment, ouais, c'est une sorte de chaussette. Ça me fait penser un petit peu au City Sock, toujours chez Adidas. Mais franchement, je la trouve magnifique. Alors, elle a pas fait beaucoup de bruit, elle a pas été vraiment plébiscitée. 500 €, je comprends pourquoi, c'est quand même assez chaud de mettre 500 balles dans une paire. Donc maintenant, on les trouve en solde sur Sneaker & Stuff, sur d'autres sites, à 250 €, même sur StockX. Les prix sont vraiment inférieurs, donc divisé par 2, donc à 250 €. Et le Père Noël m'a vraiment fait plaisir, il a quand même bien dépensé un bon billet. Je suis très content de l'avoir, c'est super confortable, léger, cette technologie 4D qui est ouf, franchement. Et je trouve le shape vraiment très stylé, les couleurs aussi me plaisent beaucoup. Ce 4D un petit peu couleur menthe, j'aime énormément. On a des détails de fou, je vous le montre. Voilà, ce prime knit, une maille ouverte, bien ouverte à certains endroits. Les trois bandes qu'on retrouve ici, sur le dessus, on a l'œillet avec le logo Adidas. Ici sur le côté, on a une sorte de maillage vraiment, vraiment ouf. Là, on a un renfort de chaque côté de la paire qu'on retrouve ici aussi. Je pense que c'est un renfort au niveau de la malléole. Et puis, ouais, franchement, cette semelle qui est juste incroyable. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous kiffez la paire. Franchement, moi, je suis trop content. Et en plus de ça, de pouvoir avoir une paire qui n'a pas coûté 500 €. Donc ça, c'est cool aussi. Je vous ferai un on-fit à la fin de la vidéo, vous inquiétez pas. Mais paire magnifique, franchement. Que dire, que dire, que dire. Confort, légèreté et ce shape que j'aime beaucoup. Donc voilà pour mon deuxième cadeau. Et voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de la paire. Si vous hésitez, n'hésitez plus, foncez. Prenez votre taille. Moi, j'ai pris ma taille habituelle, 44. Et ça match super bien. Voilà pour ce deuxième cadeau que j'ai eu, la famille. Le troisième cadeau que j'ai reçu, c'est justement le Père Noël d'une marque qui m'a envoyé. C'est justement la marque Subtle qui a commandé ça au Père Noël pour moi. Merci à Subtle du coup pour m'avoir envoyé ce petit sac de la marque Subtle. Franchement, la qualité, elle est dingue. Après, bien sûr, ça fait penser à certains à une pochette suprême et je comprends la couleur, tout ça, mais la qualité, elle est vraiment top. J'ai pas choisi la couleur, ils me l'ont envoyé de base comme ça en rouge. J'aurais préféré en jaune, ça aurait quand même fait moins suprême. Qualité vraiment intéressante. La grosse différence par rapport aux pochettes suprêmes, c'est cette matière justement plastifiée un
imperméable. Les finitions sont vraiment vraiment top. Et bien sûr, voilà, on a ce cordon ici, bien épais. Donc je remercie encore Subtol pour m'avoir envoyé ça. C'est sûr que voilà, c'est pas ma couleur préférée, mais en tout cas, j'essaierai de la mettre au printemps. On verra bien, je ferai des photos et vous me direz à ce moment-là qu'est-ce que vous en pensez. Mais n'hésitez pas dès maintenant à me dire ce que vous pensez justement de cette pochette. Après, bien sûr, ça ressemble quand même à du Supreme, surtout le SU, c'est assez identique, c'est vrai. Mais voilà, ça fait toujours plaisir. Un petit gift et voilà, ils ont pensé à moi, je trouvais ça sympa. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. On passe au prochain cadeau. Et le prochain cadeau, d'ailleurs, les deux prochains cadeaux, plutôt que vous les montrer comme ça et vous les tendre devant moi, ce sera pas très sympa et pas si visible que ça, puisqu'il s'agit d'habits. Du coup, je vais plutôt vous montrer ça avec un look et j'aurai au pied les 4D que je vous ai montré juste avant. Donc voilà pour les deux derniers cadeaux. Je vais vous montrer ça avec le Unfit qui, j'espère, va vous plaire et on se voit pour le message de fin juste après. A tout de suite. J'espère que ce look vous a plu. Bien sûr, vous avez en bas de la vidéo tous les liens de chaque article si vous avez envie de vous lâcher. Et bien sûr, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez préféré dans mes cadeaux de Noël et ce que vous avez, vous, eu en cadeau de Noël. Comme d'hab, je réponds à tout le monde. Ça me fait toujours autant kiffer. Abonnez-vous à mon Instagram, monsieur-franck. Abonnez-vous, s'il vous plaît. On va continuer à faire du lourd, je l'espère en tout cas. Je vous souhaite une bonne journée, la famille, une bonne semaine. Et on se retrouve samedi pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker cette vidéo avant de liker la prochaine. Big bisous, la famille. Ciao, ciao. Thank you.